Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de musique avec des maracas. Pour ça, il nous faut des maracas. Alors, je suis allée dans ma cuisine et j'ai cherché de quoi me fabriquer des maracas. Et comme je ne suis pas très très forte en bricolage, j'ai voulu faire quelque chose de simple. Alors, j'ai pris une petite bouteille en plastique, j'ai mis à l'intérieur des grains, là, ce sont des lentilles, j'ai secoué, et voilà, j'ai ma maracas. Alors, on peut mettre aussi à l'intérieur des pâtes, c'est des coquillettes, ou alors de la semoule. J'aime bien le son de la semoule aussi. On peut mettre du riz aussi. Et puis, on peut choisir toutes sortes de petites bouteilles. Par exemple, cette forme-là, je la trouve chouette. Voilà. Alors, vous pouvez faire pause, aller chercher dans vos cuisines de quoi fabriquer des maracas. Et puis, vous reviendrez quand vous serez prêt. Ah, petit conseil, mettez à l'intérieur des aliments crus. Parce que si on met des pâtes cuites ou de la semoule cuite ou des lentilles cuites et qu'on secoue, on aura de la purée. C'est pas très pratique. Et puis, dernier petit conseil, pensez à reboucher les bouteilles. Parce qu'au moment où on va les secouer, si c'est mal bouché, bah, y en aura partout. Ce sera un feu d'artifice de lentilles ou de pâtes chez vous. Voilà, je vous attends. Partez chercher tout ce qu'il vous faut pour fabriquer de belles maracas. Ça y est, tout le monde est revenu? Alors, on va pouvoir tester nos maracas. Si je prends la petite bouteille dans ce sens-là, allongée comme ça, et que je la prends au milieu avec ma main, et que je secoue, hey, ça fait un shaker. On essaye? Hey, ça marche pas mal ça. Bon bah déjà on a un shaker. Et puis maintenant je me dis que si je prends les bouteilles dans ce sens là comme ça, c'est-à-dire droit devant vous, dans le prolongement de l'avant-bras, et que je les secoue. J'ai un son qui me rappelle en fait un train qui avancerait. Un train, mais un vieux train, un train qui fait tchou-tchou. Alors, ça fait comme ça, je lance mes maracas. Pas mal, on dirait un train qui accélère. Ça vous dirait? On fait un petit essai. Alors, maracas en main, on se prépare. En voiture, les voyageurs, c'est parti pour un voyage en train. Ça nous fera du bien. Alors, on démarre lentement. La machine se met en route. Mais attention, le train va dérailler. Alors, on pourrait reprendre en se disant que le train, il va bien sûr partir et puis il va arriver dans une autre gare. On pourrait partir de Paris et aller jusqu'à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on démarre lentement. Le train accélère, il prend une pleine vitesse et puis à l'arrivée de la gare de Clermont-Ferrand, bien sûr, il ralentit et même il s'arrête. Alors, préparation. En voiture, les voyageurs! Lentement. Un peu plus vite. Encore plus vite. Thank you.
ralentit. Le train avance, mais très lentement, et il s'arrête. Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, terminus du train, tous les voyageurs sont invités à descendre. Hey, mais bravo, on vient de faire un truc, on vient de faire un accéléré et puis après un ralenti. Oui, on a accéléré le tempo et après on a ralenti, on s'est même arrêté. Et mine de rien, vous êtes calé question tempo, parce que le tempo, c'est la vitesse de la musique. Il y a des tempos qui vont lentement, d'autres qui vont vite. Et puis là, on est passé de lent à vite, de vite à lent. Oh, chapeau, hein. Ça a même un nom, hein, mais un nom italien. On dit accelerando, quand ça accélère. Et on dit, alors attention, c'est dur à dire, ralentendo, quand ça ralentit. Eh bien, bravo! Je vous propose de passer encore à autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le son de la maracas, il est produit au moment où les grains touchent la paroi de la bouteille. Voilà. Je fais un petit geste sec. En fait, j'essaye de les attraper. Quand j'attrape mes grains, il y a le son. Je les rattrape. Hop, ils se décollent et paf, quand ils tombent, ça fait le son. Chlac, 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 chlac. Pas mal, hein? C'est un son bref, court, mais on peut faire autrement. Si je fais un plus grand geste avec mon bras, et vous allez voir ce que ça donne, j'ai deux sons. Tilon, tilon. Parce que les grains touchent le haut de la bouteille, et puis ils se cognent et ils descendent directement en bas, et ils touchent le bas. Ça fait donc deux sons, en haut et en bas. On essaie ça? Oui, alors faut lever l'avant-bras, voilà, c'est donc un plus grand geste. Très bien, et on pourrait dire haut quand ça touche le haut et bas quand ça touche le bas. On essaye ? Au bas, au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Trop fort. On pourrait faire bas, 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 donc un petit geste, et puis au bas, au bas, au bas, au bas. C'est parti ? Bas, 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 au bas. Au bas, au bas, au bas, 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 au bas, au bas, au bas, au bas, 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 au bas, au bas, au bas, au bas. Pas mal! Ça me donne envie de faire une petite chanson. Une chanson qui parlerait de nouilles, justement. Une chanson où on pourrait faire bas, 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 et puis de temps en temps, au bas. Vous allez voir, je vous montre une fois. Ça marche comme ça. C'est une chanson qui permet de faire de l'exercice. Ça fera du bien à certains, surtout en ce moment. C'est parti! Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Au bas, 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 au bas. Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Au bas, 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 au bas. Hé, hey, vous avez compris? On refait ça ensemble? Allez, on tient prêt. C'est parti. Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Au bas, 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 au bas. Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Au bas, 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 au bas. Oui, bravo, 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 c'est magnifique. Bon, on va pouvoir faire encore un autre jeu.
Alors maintenant, je vous propose une chanson où tout le monde pourrait trouver son compte. Une chanson où ceux qui ont envie de faire quelque chose de simple peuvent le faire et ceux qui ont envie de compliquer un peu les choses, en fait d'enrichir les choses, pas les compliquer, eh bien, ils sont les bienvenus aussi. Je vous montre. Alors, première version, version simple. Pendant toute la chanson, on frappe un coup sec comme ça. Et on change pas, on change pas. On fait ça régulièrement, comme ça. Et puis, si on complique, on prend une deuxième maracas et on insère entre deux battements un geste plus ample qui fait ça. Pas mal, hein? C'est pas facile, hein? Ba, o, ba, ba. Ba, o, ba, ba. Ba, o, ba, ba. Ba. On s'entraîne un peu? Pas mal. Alors, vous pouvez faire pause, vous entraîner comme des malades. Et quand c'est prêt, quand ça marche, on redémarre. Si jamais c'est pas encore prêt et que vous n'avez pas envie non plus de vous compliquer les affaires, eh bien, vous faites pendant toute la chanson ça, c'est déjà très bien. C'est parti. Je vous ai choisi une chanson très simple à retenir parce que tout le monde la connaît, c'est « Pomme de Renette » et « Pomme d'Api ». Cette chanson permet d'oublier les paroles et on se concentre sur nos gestes. C'est parti. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis gris. Ça, c'était la version simple. Maintenant, un petit peu plus élaboré. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis gris. Ça marche? Allez, c'est reparti. On la fait tous ensemble. D'abord simple, puis élaboré. C'est parti. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis gris. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis gris. Hey, bravo! Ça vous dit de la faire un peu plus vite? On accélère le tempo, on choisit un tempo plus rapide? Alors accrochez-vous, c'est parti! On va faire comme ça. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Ça vous va cette vitesse? C'est parti! Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis gris. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'Api, tapis, tapis gris. Bravo! On va se quitter avec une chanson écrite pour vous, une chanson qui secoue. C'est parti! Si tu casses, casse la maracas, casse, 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 casse. Si tu casses, casse la maracas, casse, 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 ça m'agace. La maracas, maracas, maracas. La maracas, 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 maracas. Si tu lâches, lâche la maracas, casse, 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 casse. Si tu lâches, lâche la maracas, casse, 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 je me fâche. La maracas, maracas, maracas. La maracas, 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 maracas. Si tu me passes, passe la maracas, casse, 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 casse. Si tu me passes, passe la maracas, casse, 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 je t'embrasse. La maracas, maracas, maracas. La maracas, 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 maracas.